lui-même, l'album, découverte de l'album. Ça veut dire aussi toute une série d'apprentissages culturels. Deuxième moment, la compréhension du texte, compréhension un peu plus fine. Hein, qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de l'élève pour que le sens du texte soit construit ? Ce qui n'est pas quelque chose d'évident. Hein, c'est pas parce que on nous a lu une histoire que immédiatement on peut se dire qu'elle a été comprise. Hein, la compréhension, c'est un vrai travail sur le texte. Et troisième temps, eh bien tout ce qui est lié au code. Apprentissage du code, donc apprentissage très structuré, apprentissage technique des correspondances graphophonétiques. Et donc, tous ces pôles de l'apprentissage, eh bien, c'est à l'enseignant... J'ai passé un bac S, j'ai fait une licence. Pendant que j'étais en licence, je voulais aller au CAPEPS, donc pour être prof d'EPS. Et finalement, je me suis réorienté pour être professeur des écoles. Et donc, je suis rentré en formation à l'UFM. Ce qui me plaît, c'est de participer à la transmission des savoirs aux autres générations. Ces concepteurs se sont vraiment posé des problèmes très concrets, hein, des difficultés que rencontrent les enfants. Cette année de formation, elle s'organise de septembre à avril. On est préparé pour... avoir les connaissances suffisantes dans les matières qu'on est susceptible d'enseigner en maternelle et en élémentaire. Et en même temps, on a des stages d'observation. Donc c'est vraiment une année où on va être, je pense, jugé à la fin sur le contenu de nos savoirs pour pouvoir les transmettre plus tard et aussi de la manière dont on va les transmettre. Pas surchargé d'heures de cours, mais par contre à côté il faut fournir un gros travail, notamment au niveau des programmes, déjà les apprendre. Il faut qu'on s'intéresse un minimum aussi à ce qui se passe au niveau du monde de l'enseignement, être à jour sur les débats, parce qu'on peut être amené à en parler à l'oral dans la deuxième partie du concours. J'ai déjà eu des stages où j'étais en situation concrète d'enseignement. Je pense que j'ai un peu moins l'appréhension que d'autres personnes qui viennent de licence de maths ou de français et qui n'ont pas eu de rapport encore concret avec une classe. Mais voilà. Plutôt confiant. Ouais, plutôt confiant. 1, 2, 3, 4 et... Là, de plus en plus costaud. 1, 2, 3, 4. Merci. AB, revenez normal. Position en un beau jour pendant que le chat dormait, les souris blanches. Vois, Camille, ça te dérange que je lise ? Je te dérange ? Un beau jour, pendant que le chat dormait, les souris blanches voient trois pots de peinture. Et voilà les trois pots de peinture. Il y en a un rouge, un jaune et un bleu. J'ai choisi de passer le concours de professeur des écoles parce que je désirais travailler avec de jeunes enfants, parce que j'aurais pu passer le CAPES avec ma formation. Mais voilà, le désir, c'était vraiment de travailler avec de jeunes enfants. Oh ! La souris rouge se met à danser sur une tache toute jaune. Ses pattes dessinent mille raies rouges. Vous voulez voir ? Si vous voulez voir, faut faire le silence. Il y a trop de bruit. Cette deuxième année de formation, donc elle consiste à nous préparer en fait au terrain, à voir comment on évolue dans notre pratique. Je fais mon stage filier donc à l'école Maryse Bastier en classe de toute petite section. C'est un stage donc où on a la classe toute la journée, donc une fois par semaine. En ce qui me concerne, c'est le lundi.
elle a pas de blouson, Lina? Je suis directrice dans cette école depuis 8 ans et c'est la 4e année que je ne fais pas classe le lundi, en fait, où je suis déchargée. Donc les 3 années précédentes, c'était une personne qui était titulaire du poste, qui faisait 4 décharges sur la semaine. Et là, depuis cette année, je suis donc remplacée le lundi par Caroline, donc qui est PE2, donc qui est encore en apprentissage, j'allais dire. Caroline est venue une semaine dans la classe, hein. Elle est venue me voir travailler, donc elle a déjà pris un petit peu les marques par rapport à la gestion de la classe et par rapport au rituel que j'instaure. Mais par rapport au travail plus pédagogique, elle a des choses qu'elle doit appliquer dans la classe. Donc on travaille en collaboration par rapport aux thèmes, par rapport aux choses qu'on doit aborder, aux compétences. Mais elle reste libre de sa classe, enfin de la gestion de sa classe le lundi. S'il vous plaît. Tu en veux? La maîtresse va t'emmener. Tu en veux, Louisa? J'en ai plus. Regarde, bien la plus. Demande à Caroline. Elle va t'en donner, Caroline. Adil. Nous avons dans la classe 25 enfants, des tout petits et des petits. Et c'est vrai que c'est un peu difficile, hein, y a du bruit. Je reconnais que pour un début, c'est difficile. C'est quoi que j'ai dessiné? Une petite souris. Et là, c'est quoi alors? Une grande souris. Gloria, écoute, tu auras le droit de colorier seulement la grande souris. Tanguy, viens nous montrer. Tu vas colorier la grande souris. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, Tanguy? Tanguy, il colorie la grande souris. Merci, Tanguy. Très bien. Alors, on colorie la grande souris. Est-ce que je colorie la petite souris? La petite souris, je la barre. Hop, comme ça. Elle me demande un petit peu par rapport à la gestion de la classe des petits tuyaux. Mon regret, c'est qu'on a... On n'est pas assez, j'allais dire, formé pour les aider plus. Hein, c'est vrai que je prends même des fois des pistes de travail sur elle, parce que bon, par rapport à des choses qu'elle a apprises, et puis par rapport à des remarques qu'on lui a fait, bon, notamment la dernière fois quand on est venu la voir, la professeure qui est venue lui a donné des tuyaux, et c'est vrai que bon, bah, j'en bénéficie aussi. C'est un échange entre toutes les deux, et c'est assez enrichissant. Bah non, c'est pas ça que je t'ai demandé comme travail. Alors moi, je veux faire un bonhomme qui fait la grimace. J'ai demandé quoi? De colorier la grande souris. Pendant cette année de PE2, on a également un groupe de suivi qui est proposé. Ce groupe de suivi est composé de 7 personnes dans notre groupe. Et puis ces 7 personnes se retrouvent également dans le groupe autonome. Groupe autonome, c'est que notre formateur n'est pas là avec nous, on est toutes les 7 toutes seules. Pendant ce groupe de suivi, on travaille des points qui sont des difficultés pour nous. On parle de nos difficultés, on parle aussi de nos réussites, on s'entraide. Le groupe autonome, c'est vraiment quelque chose de très pratique, où on parle vraiment très librement de ce qu'on fait dans nos classes et où on se dit, bah tiens, bah, moi j'ai fait ça, est-ce que ça peut t'aider? Voilà, c'est vraiment des groupes pour mutualiser, quoi. C'est vraiment ça, pour s'entraider. Et donc je voulais vous montrer ouais, ce que j'avais fait avec les gamins. Vous savez, je travaillais sur la taille, là, grand, petit, oui. Machin. Et en fait, voilà ce que je leur ai donné à faire. Viens voir ce que t'as fait. Voilà ce que je leur ai donné à faire. Et alors je leur dis, mais en plus, c'était pas dans ma fiche de prep, hein. Je leur dis, colorier la grande souris. Et après, dans le feu de l'action, je leur dis, et vous barrez la petite. Alors qu'est-ce que j'avais pas dit?
Donc voilà. Donc j'obtiens. Alors lui, tu vois, je sais pas trop où c'est. Parce qu'il m'a colorié mes grandes souris. Oui. Et là, on voit qu'il a essayé de barrer les petites. Mais alors, est-ce que c'était colorié? Est-ce que c'est barré? Ben, j'en sais rien. Ah, bah non, c'est barré parce que là, c'est plus gaz. Celle qui a colorié, on voit bien. Si, ça, c'est bon. Hein. Et puis, il y en a d'autres bah, qui ont bien réussi. Bah, là, là, il s'est pas embêté. Bah, tu vois la différence de niveau dans ma classe. Faut pas que tu valides ou que tu la valides, ça. Hein. Tu dis que c'était un entraînement à ce moment-là et puis. Non, je vais le garder, mais pour le coloriage. Je vais le garder pour après. Je vais refaire un autre thème. Voilà. Et sur mon autre thème, je vais avoir le même système d'évaluation et je vais leur montrer l'évolution, tu vois, de la compréhension. Ça va T'as raison, Tanguy, c'est pas vert. C'est quelle couleur? Bleu. C'est comme un bleu, oui. Pas là. Eh oui, t'as trouvé la solution. Mais alors, eux, ils vont où maintenant? J'ai 25 élèves le matin. C'est pas évident de voir tout le monde, de faire parler tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même travail que l'après-midi quand on est en maternelle, surtout en petite section. Parce que l'après-midi, je n'ai que 10 élèves, il n'y en a que 10 qui reviennent pour la couchette. Une fois que les élèves ont été à la couchette, et bien après, on a quand même un petit moment, on a une petite heure d'activité ensemble. Et cette heure-là est très importante, elle me permet d'individualiser, de voir les élèves, de prendre du temps avec chacun, ce qui n'est pas forcément le cas le matin. Donc c'est vraiment un moment agréable après-midi où on peut vraiment partager, discuter, prendre le temps. On fait un petit bout. Et après, je prends la colle. Je mets sur le papier. Et je colle. Tu veux le coller, lui? Tiens, colle-le, lui. J'ai mis de la colle là. Attention, là. Elle est là, la colle. Allez, on y va. Tu essayes de déchirer le papier? En fait, l'évolution se voit aussi beaucoup dans la gestion de la classe. Après, en ce qui concerne les activités, ça vient là tout doucement, ça commence à se mettre en place, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, enfin, comme dirait la formatrice, des erreurs de débutants, quoi. Il y a beaucoup d'erreurs de débutants. Je travaille encore beaucoup à leur place, et puis... au niveau des activités, je propose peut-être trop de compétences en même temps encore. Et c'est vrai que c'est ce qui est difficile avec la classe des tout petits-petits, c'est qu'il faut aller très lentement et faire les choses vraiment une par une. Et c'est ce qui est difficile pour nous de mettre en place, quoi. Parce qu'on a envie qu'ils aient beaucoup tout de suite. Et donc il faut savoir faire le deuil de certaines choses et c'est difficile. Donc c'est en cours, voilà. Vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, Mohamed, tu veux venir l'écrire? Ouais. Tiens. Tu sais comment ça s'écrit? Le nombre 11, comment il s'écrit, avec quel chiffre? Avec un 1. Très bien, vas-y.
J'ai démarré mon parcours professionnel principalement dans une grande multinationale. Ma dernière fonction était une fonction d'assistante commerciale pour un seul client au niveau mondial. Par la suite, j'ai dû changer, soit partir à Paris pour continuer d'occuper cette fonction, soit changer de métier au sein de la société. Et en fait, j'ai pensé que c'était l'opportunité pour changer de société, entre guillemets. Et donc, le métier de professeur des écoles était un métier qui m'avait déjà interpellée quand j'étais jeune. Et donc, j'ai passé le concours d'entrée à l'UFM pour faire mes 2 années d'études. Et j'ai été prise, donc j'en ai profité pour faire ces 2 années. Je vais appeler le groupe vert. Et dans le groupe vert... Kenza, tu comptes combien vous êtes, s'il te plaît, pour voir. Quand vous êtes installée. Assieds-toi sur le banc. Il y a trop de bruit. Combien êtes-vous? Bah comptez-vous pour savoir combien on doit donner. 7. Donc je vais vous donner 7 feuilles. Vous prenez les crayons. La formation se déroule sur 2 ans et la première année est principalement consacrée aux connaissances pour obtenir le concours de professeur des écoles. La deuxième année apporte beaucoup plus pour le métier, je trouve. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que cette deuxième année ne dure qu'une deuxième année, justement, et ne soit pas 2 ans supplémentaires pour qu'on voit encore un peu plus d'autres écoles, d'autres modes de fonctionnement, d'autres niveaux. Parce que quand on fait un certain niveau, par exemple un CP ou une toute petite section, ça n'a rien à voir avec une grande section, même si ça fait partie du même cycle. Donc c'est cette expérience du terrain qui est très enrichissante que j'aurais aimé développer un peu plus. Donc tu dois remplir ici, donc tu vois tu as un certain nombre de trous, c'est les trous qui sont ici seulement. Et tu n'as pas le droit d'en avoir en trop dans ton plateau, tu as le droit par contre d'y aller plusieurs fois. Si tu veux en ramener pas, très peu, tu peux y aller plusieurs fois. Mais à la fin quand c'est plein, là quand la boîte est pleine, tu n'as plus le droit d'en avoir là, sinon c'est pas réussi. Le métier de professeur des écoles est un métier qui se construit évidemment à l'UFM, mais qui se construit aussi à l'extérieur. Et il faut s'enrichir par soi-même pour pouvoir donner après aux élèves. Alors, est-ce que quelqu'un, avant qu'on lise le livre, peut me dire le cycle de la vie d'un être humain? Alors, Joanne. D'abord, on est petit. Après, et quand on est petit, on s'appelle comment? On dit que c'est un bébé qui adore. John, vas-y, continue. Après, on est un enfant. Oui, un gros et ensuite, bébé, chut, un adolescent. Et puis encore, qu'est-ce qu'on devient après un adolescent? Un adulte. Un adulte. Papa. Oui, un adulte. Et après? Un vieux. J'ai dit, on ne dit pas ce terme, c'est pas très joli, je trouve. Comment on dit à la place de vieux? Une personne âgée. Oui? Une personne âgée. Une personne âgée, un grand-père, une grand-mère, un papy, une mamie. Oui, c'est ça. Alors, on va lire La chenille qui fait des trous. Erika. Vous entraînez à écrire le chiffre 4. Montrez-le-moi sur vos doigts, le chiffre 4. Oui. Ah non. Ah oui, d'accord, là c'est bon. Bien, Aris, c'est Douani, c'est bon. Joanne, 4, montre-moi 4 avec tes doigts. Oui, c'est bien. Me dessine 4 ronds dans l'ensemble, là. Oui, on dirait une pomme.
Mais il y a plein de choses que tu n'as jamais faites et que tu feras plus tard. On ne peut pas prendre tous les élèves en même temps. Tu vois, vous êtes quand même 24 là cet après-midi. Oui. Chut. Bon, Lucas, tu te déplaces avec Cynthia. Alors, bah, fais-en 4. Je voudrais voir 4. 4. Si tu as dessiné le 4. Chut. Le bruit, le niveau sonore est toujours un petit peu élevé, surtout je pense en début d'année, et il y a des périodes, par exemple les fins de semaine où les élèves sont plus bruyants, un peu plus fatigués certainement, où donc le niveau sonore est un peu plus élevé. J'ai essayé de donner des petites consignes entre guillemets ou des petits jeux. Alors, par exemple, des jeux de mime, où là, du coup, ils se testent tous, normalement ou presque. Merci. Alors, Kenza, tu vas te mettre devant. Là, tu es complètement serrée. Voilà, en plus avec ton bras dans le plâtre. En regroupement, pour baisser le niveau sonore, en fait, c'est aussi un questionnement de tous les jours pour l'enseignant. Je me dis que s'ils parlent entre eux, c'est que ce que je fais en ce moment ne les intéresse pas ou pas suffisamment. Il n'est pas présenté suffisamment comme il faut. Donc, j'essaye de trouver d'autres solutions. Par exemple, quand j'amène quelque chose de nouveau, parfois de le cacher dans un sac. Puis je leur dis, bah, à votre avis, qu'est-ce que j'ai amené aujourd'hui pour susciter leur interrogation et du coup leur attention. Alors, essaye de t'appliquer tout de suite du premier coup, Yann. Monsieur, vous faites faire, hein, c'est bien. Vas-y, continue, Clara, c'est bien. Elles sont définies par les programmes, donc les programmes de l'éducation nationale. Donc ça, elles sont nettes et claires. La façon d'y arriver, c'est là où chaque enseignant finalement met sa petite patte. Donc c'est vrai qu'à l'UFM, on nous donne certaines pistes. Et puis ensuite, on trouve d'autres pistes dans ce qu'on a vécu, un peu notre vécu personnel, notre expérience personnelle de la vie. Tout simplement, et puis pour moi évidemment la vie d'entreprise, donc avec prendre du recul, savoir gérer différents conflits dans les enfants parfois, également gérer un problème qui va survenir, par exemple dans ma classe parfois je me retrouve le matin, on me dit ben, ce matin il n'y aura pas d'ATSEM. Donc l'ATSEM étant la personne qui nous donne un coup de main sur les ateliers, qui aide les enfants aussi pour les toilettes. Bon, ben, voilà, il faut savoir s'adapter. Bon, j'en ai pas, c'est pas dramatique. C'est vrai que c'est un peu contrariant sur certains ateliers quand il y a la peinture, c'est sûr qu'elle aide beaucoup. Mais on fait avec et on rebondit, soit on change d'activité. Donc c'est cette adaptation qui est peut-être plus aisée quand on a déjà travaillé dans le milieu de l'entreprise. Allez, Jessica! Jessica! Pense à tes bras aussi! Utilisez vos bras, comme je vous ai appris. C'est bien. Ah, Pierrick et Clara. À l'issue de la formation, donc on part avec un certain bagage, des idées, des notions de pédagogie évidemment. Mais après, c'est à chacun de créer sa propre pédagogie en fonction des élèves, en fonction de nos désirs propres. Au départ, quand on prend une classe, on voit qu'il y a des élèves qui sont très envahissants, d'autres qui sont au contraire très en retrait. Et notre but, un de mes buts, c'est non seulement évidemment de leur faire acquérir le geste graphique, les notions de mathématiques, mais également la notion de vivre ensemble avec les différences, d'apprendre la différence entre l'un et l'autre, les filles, les garçons, mais aussi les couleurs de peau, les religions. Et donc, d'avoir cet esprit de partage également. Là, ce sont les os de la main. Ces os, là, qu'est-ce que c'est, Hugo ? Le président. Alors, vas-y, dis-nous, Edouanie. Qu'est-ce que c'est, là ? Vas-y, mais dis, essaye, c'est pas grave si tu te trompes. C'est pas... On est à l'école pour apprendre. Si on se trompe, c'est pas gênant. Qu'est-ce que tu crois, Cassie ? Faire passer les radios ?
Bah, je vous en ferai passer une seulement. On ne voit rien. Mais tu vas pas voir, ou alors faut regarder face au jour. D'accord? Celle-là, oui, c'est à mes enfants, tu peux y aller. Quelques semaines après cette prise de fonction, je suis très contente d'avoir changé de métier. Je ne regrette pas mon ancien métier que j'ai beaucoup aimé, mais c'est une nouveauté à nouveau, c'est un nouveau challenge. C'est vrai qu'au début, ça demande une énergie folle. C'est un gros investissement. Là, je commence à sentir les effets, c'est-à-dire à pouvoir prendre un peu de recul par rapport à ma classe, voir vraiment ce qui marche moins bien. Et du coup, je suis plus à l'aise dans ma classe. Le premier mois, il y a beaucoup de tensions. Il y a les enfants à connaître, les parents un peu à rencontrer, les cours évidemment à mettre en place, essayer de faire sa programmation sur l'année, ce qui, quand on est débutant un petit peu, n'est pas toujours évident. Donc, le démarrage est un peu rude, entre guillemets, mais très plaisant.